Bonsoir, chers amis, soyez les bienvenus. Alors, sur ces plateaux, ce soir, nous sommes à la veille de la fête de Saint-Louis-Roi, 25 août. Cette année, nous célébrons particulièrement une année jubilaire. C'est le 750e anniversaire de la mort de Saint-Louis à Carthage, en Tunisie. Alors, ce soir, je suis avec Celiel Bocciarelli, une de nos paroissiennes, les Françaises, et elle a un master en histoire médiévale. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir mon père. Ça va? Très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis ravie. Alors ce soir donc nous allons partager quelques moments ensemble pour découvrir mieux la figure de Saint-Louis, sa spiritualité, sa vie chrétienne en profondeur. Déjà, sur ce plateau, comme vous le voyez, derrière nous, se trouve le reliquaire, le fameux reliquaire de Saint-Louis. On en parlera tout à l'heure, mais il va nous accompagner pour avoir déjà cette mémoire importante de Saint-Louis qui était ces grands rois, ces rois chrétiens, qui a illuminé son époque et qui, pour nous aujourd'hui, continue à être toujours un exemple, un modèle, étant donné qu'il est un saint de l'Église catholique. Alors, s'il faut commencer en disant qui est Saint-Louis, tout simplement, il faut dire que Saint-Louis est né à Poissy le 25 avril 1214, son diocèse d'origine, le diocèse de Versailles. Et puis, à l'âge de 12 ans, il accède au trône royal, et c'était en 1226, à la suite de la mort de son père, Louis VIII. Et en fait, tout en étant petit, il ne pouvait pas, bien sûr, assumer la charge du royaume. Alors c'est sa mère, Blanche des Castilles, qui va assurer l'intérim, qui va assurer également l'éducation chrétienne de Saint-Louis, et puis le préparer également pour assumer cette grande responsabilité de la royauté. S'il faut dire quelque chose de plus sur la vie de Saint-Louis, bien, nous les voyons en 1270, arrivé à Tunis pour sa huitième croisade, enfin la dernière croisade qu'il a fait. C'est ici donc qu'il va décéder. Et puis, il a été canonisé par le pape Boniface VIII le 6 août 1297. C'est-à-dire 25 ans après le commencement du processus de canonisation. On disait de lui, et il signait toujours de la façon suivante, « Ludovicus Dei Gratia Francorum Rex », c'est-à-dire « Lui, par la grâce de Dieu, roi des Francs ». Et c'est en fait ce que nous voyons en Saint-Louis. C'est ce personnage qui est donc un roi qui assume la royauté, mais la royauté avec la conviction qu'il est d'abord un chrétien, un fils de Dieu, et que donc cette royauté, c'est pour lui une vocation. Il est roi pour conduire son peuple au salut éternel. C'est ce qui est très beau dans cette figure royale. Il n'est pas tout simplement ce roi qui est détaché de tout et qui vit dans une vie mondaine, dans la vie de palais, mais c'est ce roi qui essaye d'incarner dans sa vie et dans son royaume les principes de l'Évangile et de la vie du Christ. Nous allons en parler tout à l'heure avec Cyrielle. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un roi qui est simple et humble, un roi qui considère qu'après sa mort, Dieu va le juger comme un autre mortel. Donc, il ne voit pas des privilèges pour être un roi. Il dit tout simplement, la royauté, être roi, c'est ma mission, c'est ma vocation, mais je suis avant tout donc ce chrétien qui va être jugé par Dieu, et c'est pour cela qu'il assume la grande responsabilité de vivre sa vie royale en pleine conscience et surtout en essayant d'assumer dans ces mystères, enfin dans ces royautés, assumer toutes les exigences de l'Évangile, de l'enseignement de la vie chrétienne. Voilà, donc, alors Cyrielle, pour essayer de découvrir un peu plus la vie de Saint-Louis et en quoi Saint-Louis pourrait-il nous illuminer aujourd'hui par rapport à notre monde et par rapport à Dieu.
Il risque parfois de laisser Saint-Louis comme ce roi du Moyen-Âge très loin et qui peut-être n'a plus rien à nous dire. Et par contre, je crois que justement sa vie chrétienne vécue en profondeur, peut-être ses vertus peuvent certainement nous illuminer encore aujourd'hui. Oui, tout à fait, mon père. Saint-Louis a été un roi modèle, un chrétien modèle déjà à son époque. Et il a tout fait aussi pour faire passer l'évangile autour de lui, autant auprès de son entourage que pour tous ses sujets, via les ordonnances, etc. Il a essayé de purifier en profondeur lui-même et son entourage et tout son royaume, parce qu'il avait justement conscience de ses responsabilités devant Dieu, du salut de ses sujets. Et il a été aussi un modèle, il n'a pas simplement fait passer un message, il a vécu profondément sa foi. Et si on suit par exemple les vertus théologales, la première c'est la foi, oui. Toutes les hagiographies, toutes les chroniques parlent énormément de sa piété, de sa foi et des actes concrets de sa foi au quotidien. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui tous les jours, il lisait les Saintes Écritures, il s'imprégnait profondément de l'Évangile. C'est quelqu'un qui, tous les jours, il assistait aux 8 offices, au canonial. Il assistait à la messe, il était en permanence en compagnie des religieux, il essayait d'être toujours avec Jésus. Et cela dès sa plus tendre enfance. Et vous avez parlé de Blanche de Castille. Blanche de Castille était très imprégnée de la foi et elle a fait en sorte que son fils soit entouré de personnes qui puissent lui enseigner la foi et lui permettent toute sa vie de vivre avec, en continuité. Donc il est entouré de personnes religieuses, des ordres des franciscains, des dominicains, et on le voit, par exemple dans cette image, on le voit à genoux, devant le livre des heures, en compagnie de son chapelain, voilà, et toujours avec beaucoup d'humilité, à genoux. Devenu adulte, sa piété sera toujours plus grande parce qu'il aura approfondi sa foi. Et ça, c'est très important à savoir, c'est que plus on approfondit sa foi, plus elle grandit, plus la grâce grandit en nous. Et c'est ça que Saint-Louis a vécu toute sa vie. Et donc on le voit par exemple à la messe, au moment où l'hostie est consacrée, il est dans un état de grâce et d'humilité très très forte. Alors à propos de ça justement, il est très intéressant de remarquer cette grande dévotion eucharistique de Saint-Louis. Ici à Carthage, nous avons l'ancienne basilique de Saint-Louis et dans la chapelle du Saint-Sacrement, le cardinal Alighieri avait justement voulu laisser comme souvenir dans cette chapelle qui était très proche de la mémoire de Saint-Louis, là où l'on croit qu'il est décédé, et il avait laissé justement le souvenir de sa dernière communion qui s'est passée ici à Carthage. Et c'était les moments où il était justement pratiquement prostré par terre, déjà atteint par la peste. Et dans cette humilité qui le caractérisait aussi, le chapelain lui demande, en lui montrant l'hostie, s'il croyait véritablement à Jésus, hostie, et que le corps du Christ était présent dans l'hostie consacrée. Et alors, Saint-Louis lui répond, « Oh oui, bien sûr que je les crois, et je ne les croirais même mieux si je les voyais tel que les apôtres le virent le jour qu'il est monté au ciel. » Donc avec cette foi et cette clarté pour dire que voilà, là, il y avait véritablement Jésus. C'est en fait un peu, je pense que cette dévotion eucharistique qu'il a nourrie pendant toute sa vie, c'était en quelque sorte aussi la force de sa vie chrétienne. Oui, c'était très très fort. Il faut bien imaginer qu'au moment de la consécration de l'hostie, il était à genoux et il se déplaçait à genoux jusqu'à l'autel devant l'évêque ou le prêtre. Et avant de manger le corps du Christ, il récitait son confiteor. Et il était dans un état de contrition très très grand. Il avait les larmes aux yeux. Il était très profondément habité par Jésus. Voilà. Et il faut bien voir aussi que même si ses devoirs l'appelaient à plein de missions, on le voit souvent, même quand il était à cheval, il récitait ses heures.
il était en permanence avec Jésus. Et ça, c'est très important de le dire, parce que la foi, ce n'est pas juste une partie de sa vie. C'est, ouais. Ça emplit la vie entière. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que l'on dirait alors, par exemple, là on a parlé de la foi des Saint-Louis, eh bien, par rapport à, pour continuer avec ses vertus théologales, tout simplement, l'espérance et la charité. Alors, Saint-Louis est un roi qui a toujours vécu dans l'espérance, c'est-à-dire qu'il n'a jamais douté de l'amour de Dieu et du salut des hommes, de la promesse de la résurrection. Et ça, c'est très important de le dire, parce que souvent, quand les gens doutent, parce qu'il leur arrive des malheurs, il faut bien penser que Saint-Louis, lui, il a eu beaucoup de malheurs, il a eu beaucoup d'événements dans sa vie qui ont fait qu'il aurait pu douter de sa foi. Mais ça, ce sont des tentations du démon. Ouais. Et ça, il le savait très bien. Et il lui-même enseignait, parce qu'il aimait beaucoup parler de Dieu et de la façon dont il fallait espérer. Il disait, quand on t'appelle à douter de ta foi, tu dois dire au démon, va-t'en, va-t'en. Et lui, au contraire, plus sa foi était poussée par un élément négatif, plus il se tournait vers Dieu. Ouais. Donc on peut se donner un exemple. Pendant la 7e croisade, il faut bien voir que à l'époque, prendre la mer, c'était très dangereux. Peu le faisaient. Donc déjà, se croiser et prendre la mer, c'était fort. C'était un risque déjà. Et il y a eu plusieurs événements en cours de voyage où le bateau a failli couler. C'est-à-dire que le bateau, sa nef a heurté des obstacles de pierre quand il voyageait vers Nicosie, la capitale de Chypre. Et là, tous les passagers ont pris peur, par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Ouais. Il s'est mis à genoux et il a prié Dieu de tout son cœur. Il a prié Dieu pour qu'il veille sur l'ensemble des passagers. Et voilà, et ça, c'est un acte de foi, c'est un acte d'espérance. Et donc, c'est un modèle pour nous, parce que à chaque fois qu'on peut douter ou qu'on peut avoir peur, au contraire, plutôt que de s'éloigner, toujours se rapprocher de Dieu. Et justement, en se rapprochant de Dieu, et comment on voit le roi Saint-Louis, ce roi que peut-être, étant donné qu'il était un roi, difficile de voir un homme charitable, alors que finalement, les témoignages rendus à l'occasion du processus de canonisation montraient qu'il était un roi extrêmement charitable. C'est un roi extrêmement charitable, tout à fait. C'est un roi qui a mis l'amour au cœur de son existence. Et pour le prouver, il faut savoir que Saint-Louis a écrit de sa propre main des enseignements à deux de ses enfants, l'une de ses filles et son fils aîné, le futur roi Philippe III le Hardi, qui était son successeur. Ouais. Donc, c'était un roi, c'était un futur roi, un futur monarque. Et malgré tous les enseignements, toutes les choses qu'il pourrait bien lui dire, la première chose qu'il lui commande avant toute chose, je cite, « Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela, tu ne pourras jamais rien valoir. » Et c'est le premier commandement aussi qu'il fait à sa fille. C'est la première chose. Le reste, c'est totalement secondaire. C'est parce que l'amour que l'on doit avoir pour Dieu et pour son prochain, c'est ce qui ensuite filtre tout le reste, en fait. Bien sûr. Voilà. Et comment il concrétisait alors Saint-Louis cet amour des dieux et des hommes qu'il vivait, bien sûr, par la grâce qu'il avait en lui-même, enfin, cette action des dieux en lui-même. Alors comment cela s'est concrétisé, devenait donc une réalité visible? Comme tout chrétien, Saint-Louis a tout fait pour suivre l'exemple de Jésus. Et donc, par exemple, on le voit le jeudi saint, il lave le pied des pauvres, les pieds, même s'ils sont sales, même s'ils sont pourris, même s'ils sont très abîmés, il les accueille à sa table, il leur coupe le pain, il leur coupe la viande, il leur coupe le poisson, ceux qui n'ont pas de main ou qui ne peuvent pas le faire, ils sont aveugles, il leur donne à manger dans la bouche. Il n'est pas écœuré, il leur fait l'aumône. C'est quelqu'un qui a fait énormément l'aumône, qui a fait énormément de fondations,
qui a aidé à chaque fois tous ceux qui pouvaient, tous ceux qui, ouais. Qui vivaient dans la pauvreté. Et cette capacité à être tournée vers son prochain et à l'aider a pu lui être reprochée de son temps. On lui disait, Sire, vous faites trop d'aumônes, vous dépensez trop d'argent pour toutes ces œuvres. Et lui, il répondait, si je dépense beaucoup d'argent quelquefois, j'aime mieux le faire en aumône faite pour l'amour de Dieu que pour frivolité et choses mondaines. Voilà. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, c'est ce qui est vraiment extraordinaire, ces détachements en plus, enfin, cette charité qui animait l'esprit de Saint-Louis, mais en même temps, ce détachement finalement de toute chose, pas seulement mondaine, mais des biens matériels qui finalement, il le donnait très librement. Il y avait une grande libéralité dans ce sens-là. C'était quelqu'un qui avait les bras ouverts pour donner et secourir toutes les faiblesses et les maladies. C'est très impressionnant de voir ces rois qui s'abaissent. Difficile de voir ça aujourd'hui, mais voir ces rois donc, qui se fait petit pour être les serviteurs. Hein. D'ailleurs, on le voit, il y a une anecdote dans laquelle, par exemple, il se rendait dans les villes, il était à pied, il était entouré de ses sergents qui avaient de l'argent, et il faisait l'aumône pour les pauvres, et voilà, comme il avait l'habitude de le faire, toujours, avec une grande libéralité, très accessible. Et tout d'un coup, il entend une cloche sonner. Et c'était quelqu'un qui était de l'autre côté de la rue, et c'était un lépreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a fendu la foule, il a traversé la route, et il est allé vers la personne, et il lui a fait l'aumône. Et ensuite, une fois qu'il a fait l'aumône, il s'est abaissé, il lui a baisé les pieds. Mmh. Voilà, ça c'est un exemple d'une très très grande volonté de servir Jésus et les plus pauvres. Bien sûr, avec une grande humilité, c'est sûr, oui. Et tu te rappelles certainement de cette rencontre qu'il a eue avec, qui nous raconte Jeanville, avec ses lépreux. Oui. Et ce qui s'est passé, très intéressant, cette histoire du lépreux et le péché mortel, qui en quelque sorte, il faut se rappeler ce que la maman de Saint-Louis, donc Blanche des Castilles, lui disait toujours, mon fils, je t'aime énormément, je préfère te voir mort que de te voir commettre un péché mortel. Et donc ça l'a énormément marqué à Saint-Louis. Et alors, qu'est-ce que lui il a dit au lépreux? Alors en fait, Saint-Louis était un roi prédicateur, c'est-à-dire qu'il enseignait à son entourage comment être un bon chrétien. Et il avait autour de lui son entourage, parmi lesquels le Joinville, le sénéchal de Champagne, qui était un de ses amis proches, qu'il avait rencontré en 1241 lors des fêtes de Saumur. Et il demande à Joinville s'il préférait être en état de péché mortel ou être lépreux. Et Joinville dit, moi je ne lui avais jamais menti au roi, donc je lui ai répondu très sincèrement que je préférais avoir commis 30 péchés mortels qu'être lépreux. Saint-Louis n'a pas répondu, il a laissé passer parce que c'était si grave qu'il avait besoin de lui parler en face à face. Et donc Joinville nous dit qu'il l'a rappelé et il lui dit, vous avez parlé en fou tout à l'heure quand vous avez dit que vous auriez préféré être lépreux que être en état de péché mortel. Et il lui dit, lèpre de corps vaut mieux que être en état de péché mortel, parce que si vous mourrez en état de péché mortel, vous mourrez définitivement, alors que si vous mourrez lépreux, ce n'est que de la lèpre de corps, et lèpre du corps vaut mieux que lèpre de l'âme. Bien, alors Cériel, pour finir donc ce petit entretien sur Saint-Louis, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au miracle de Saint-Louis après sa mort? Parce qu'on connaît bien un peu son histoire, enfin, ou quelques éléments de sa vie, sa mort, un peu aussi la destinée des reliques. Une partie de ces reliques sont à Saint-Denis, à Paris, et puis une autre partie, surtout les entrailles, et une partie de son cœur était en Sicile, à Montréal. Et puis après, en 1890, ces reliques ont été données au cardinal Lavigéry, qui les a ramenées ici à Tunis. Et c'est seulement en 1985 que ces reliques, ces entrailles qui étaient conservées dans ces reliquaires,
sont repartis en France et maintenant sont à Versailles, dans la cathédrale de Versailles. Donc on peut dire que de 1890 à 1985, 95 ans, les reliques de Saint-Louis, les entrailles de Saint-Louis et une partie de son cœur sont restées ici parmi nous. Bien, et donc qu'est-ce qu'il faut dire alors par rapport au miracle de Saint-Louis ? On peut dire à propos des miracles de Saint-Louis, c'est hyper important les miracles parce que sans miracle, il n'y a pas de caractère de sainteté. S'il a eu une vie sainte qui est très connue, qui a été rapportée par tous les hagiographes et les chroniqueurs, ces miracles sont moins connus. On les connaît à travers, surtout à travers les Miracula écrits par Guillaume de Saint-Pathus, qui était le confesseur de son épouse, Marguerite de Provence. Et qu'il a eu entre les mains, il ne les connaissait pas, il n'a pas été témoin de ces miracles. Mais ces miracles ont été rapportés dans le procès de canonisation, et surtout dans les deuxièmes enquêtes qui ont eu lieu en 1282. Donc il a eu ces pièces entre les mains, et il a écrit, il les a rapportées très, très posément, très, très précisément dans les Miracula. Et on trouve environ une cinquantaine de miracles officiels. Oui. La plupart ont lieu près du tombeau, à Saint-Denis. Et ils rapportent tous des actes de guérison, très précisément. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de mensonges. Et c'était les enquêteurs qui ont procédé au recueil de ces miracles ont été très minutieux. Alors, par exemple, le miracle de cette fille qui avait une tumeur à la paupière, là. Oui, c'était une jeune fille qui avait une tumeur à la paupière. Alors que ses parents, ils étaient un peu désespérés. Donc, ils l'ont emmenée près du tombeau de Saint-Louis et ils lui ont mis la face contre le tombeau. Ouais. Et la 16e fois qu'ils se sont rendus au tombeau, la tumeur est tombée. Et il est apparu une croûte, et ensuite elle a guéri. C'était terminé. Voilà. Voilà. Pour finir alors, en conclusion de cet entretien sur Saint-Louis, comme nous avons essayé de le montrer, c'est justement de faire voir que la figure de Saint-Louis, tout en étant un roi, un monarque, il est cependant un chrétien avant tout et qu'il peut nous illuminer encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Saint-Louis, il a compris l'importance de la grâce de Dieu dans sa vie. Il s'est ouvert à l'action de la grâce de Dieu par la pratique de vertus, notamment la vertu de foi, espérance, charité, mais tant d'autres vertus qu'il avait. Et ça nous montre alors cette importance, cette valeur de la grâce de Dieu qui agit efficacement là où nous laissons qu'elle puisse agir. Donc chacun de nous qui se laisse façonner par la grâce de Dieu, qui se laisse conduire par la grâce de Dieu, qui laisse finalement que le Christ puisse pénétrer dans sa vie à travers les enseignements de l'Église, à travers les enseignements de l'Évangile, et il peut parfaitement parcourir une vie de sainteté, de perfection chrétienne. Certes, il va y avoir toujours la faiblesse, la nature humaine qui est marquée par la faiblesse, les péchés peut-être, les échecs, les difficultés, mais cela montre plus parfaitement encore l'action de la grâce de Dieu. Et c'est ça ce qui s'est accompli dans la vie de Saint-Louis, qui était donc ce roi chrétien, qui a vécu en toute simplicité, en toute humilité, cette imitation du Christ. Le cardinal secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, il disait dans une célébration eucharistique dont il parlait de Saint-Louis, il disait « La vie de Saint-Louis met en lumière que la vie d'un chrétien est une vocation très noble, est un chemin de sainteté. » Et en plus, il disait, Saint-Louis avait conscience que tout ce que Jésus avait souffert par amour pour nous était la seule voie de libération du péché et l'unique source de salut. Voilà alors, merci Cériel pour cet entretien sur Saint-Louis.
espérons et prions alors ces grands rois qu'ils nous aident, qu'ils intercèdent pour nous, qu'ils intercèdent pour nos deux pays, pour la Tunisie et pour la France, pour nos gouverneurs. Eh bien, nous vous disons alors merci, bonne soirée à tous et bonne fête demain de Saint-Louis.